Moi, j'ai été arrêté chez moi, donc mois de juillet. Un soir que je dormais chez moi à la maison. On sonne et j'entends Geheimstaatspolizei. Je dis non, Dion. Je suis rentré dans une pièce là qui était une cuisine au troisième étage et on tape à la porte Geheimstaatspolizei et j'entends que mon copain, soi-disant, dit « Raphaël, le juif, est dans la cuisine ». Et on m'a cueilli comme une fraise. Et alors là, en pleine nuit, on nous a conduit dans ce qui s'est avéré par la suite. On savait que la Gestapo existait, on savait qu'elle était située à Avenue Louis, parce que ça, on savait que des résistants, des juifs avaient été arrêtés, étaient enfermés à la Gestapo. Mais le parcours au-delà de la Gestapo, on ne savait pas, on ne connaissait pas. Et alors là, on nous a donc fait rentrer dans les caves d'une des Gestapo de l'avenue Louise. Après la dernière interrogation, ils m'ont dit « Voilà, on va t'envoyer quelque part d'où tu ne reviendras pas. » C'était la caserne d'Ossin, puis Auschwitz.